Ma langue au chat est le dernier film de Cécile Tellerman. À cette occasion, c'est Samuel Lebihan qui a répondu à nos questions au sujet de cette comédie familiale et humoristique qui a remporté un véritable succès d'estime à la sortie de la séance au CGR de Nîmes. Je suis ravi que les gens rigolent parce que à la lecture ça m'a fait beaucoup rire et on ne sait jamais quand on est en train de faire le film quelles vont être les réactions du public. Et donc on est toujours un peu dans le mystère et là depuis quelques jours on vient de démarrer la tournée province et je découvre que en fait les gens passent un bon moment, qu'ils rigolent vraiment, qu'ils nous remercient pour ce moment qu'ils ont passé. Donc ça raconte aussi une belle histoire parce que ça aborde des thèmes hein, vraiment. Et mais c'est ce que je disais, moi j'ai eu énormément de plaisir en le lisant et tout d'un coup là que ça se partage, en fait ça c'est un petit cadeau parce que c'est difficile de faire une comédie, c'est compliqué à écrire, il faut trouver le rythme dans le jeu, il faut trouver bien saisir son personnage, savoir à quel niveau on va pousser un peu les expressions, mais faut être il faut trouver la juste mesure. C'est toujours un peu compliqué. On ne sait jamais vraiment. Au théâtre, c'est un peu plus simple parce qu'on est en rapport direct avec le public. Donc on a tout de suite la réaction. Au cinéma, vous êtes en train de tenter des choses. Et puis vous avez la réponse beaucoup plus tard. Et là, on découvre la réponse là, ces jours-ci. Et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui se partage. Le film parle du moment où on ne s'est pas senti vieillir et puis que dans le fond, on a pris de l'âge et on se rend compte qu'on a changé de catégorie. On n'est plus dans la catégorie jeunesse où tout est possible. Tout d'un coup, on vous a mis la société, les gens, les jeunes, les nouvelles générations, vous poussent déjà dans la catégorie des anciens. Et on découvre tout d'un coup qu'on n'est plus dans celle qu'on imaginait, nous. Moi, ce qui est rigolo, ce que j'aime bien dans mon personnage, c'est que il a besoin d'être aimé, il n'est pas complètement sûr de lui, il est un peu fragile et il cherche des parents quelque part et donc il se réfugie dans cette famille avec son ami et il veut absolument quelque part être un peu adopté et donc je le trouve touchant et puis et donc au moment où il va commettre un drame, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce chat qui est adoré dans cette maison et puis il va écraser le chat. et là, tout débarre en cascade parce qu'il a commis le drame, quoi. Et il n'ose pas le dire, il le cache. Et là, commence une histoire de fou. Et comme. Donc on trouve. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le chat, d'ailleurs. Il disparaît, tout simplement. C'est cocasse, mais souvent la vie, c'est ça. Ça part d'un petit détail. Et on ne veut pas. Et à quel moment rentre le mensonge rentre en compte? C'est le moment où on ne veut pas être démasqué, être découvert, parce qu'on voudrait que la réalité soit autre, soit celle qu'on aimerait contrôler, au moins. Et c'est comme quoi on ne contrôle vraiment rien. Et les choses nous échappent totalement. Mais c'est ça la vie, c'est des situations contraires qui s'entrechoquent en permanence. Et puis nous, on essaye de naviguer là-dedans. Et puis c'est drôle aussi parce que ce sont des personnages qui se révèlent les uns aux autres. C'est une histoire d'amitié aussi, c'est une histoire de couple, d'amour. Comment on vieillit à plusieurs aussi, comment on vieillit avec ses amis, comment on vieillit avec la personne qu'on aime. Alors il y a ça et puis quand on est dans une vie d'adulte, on découvre qu'on a des amis qu'on va perdre. Il y en a qui meurent, il y en a qui ont des maladies, qui traversent des épreuves. Et donc, entre la naïveté quand on est enfant et comment ne pas devenir cynique, comment ne pas s'endurcir, garder quelque chose d'innocent à travers toute cette expérience, on comprend que le monde est plus cruel et plus difficile qu'on l'imaginait, mais il faut faire avec. C'est très cocasse, c'est un très bon moment entre amis, on est venu en la cinquantaine, on s'est un peu pas trop retrouvés, mais...
C'est très chouette et c'est une certaine légèreté en même temps, donc c'est un bon mélange. Une bonne soirée en tout cas. Bonjour, je voudrais avoir vos impressions sur le film. Oh, bah, elle était super, très agréable à regarder, gay, et puis tous les sujets de la vie quoi, qui sont mis en évidence. Ah ben parfait, magnifique, excellent, à voir. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est un très bon film et franchement, on a passé un très très bon moment. Bon. À voir, surtout ne pas manquer. Merci monsieur. Merci.